Depuis presque un mois, Vianney n'a rien posté sur sa page Instagram. Ce jeudi 4 mai, en story, il a expliqué la raison de son absence sur le réseau social via un message rassurant à l'attention de ses fans. En février dernier, TF1 donnait le coup d'envoi de la nouvelle saison de The Voice. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Nikos Aliagas aux commandes de cette édition 2023, quelques mois après avoir présenté la saison 10 de la Star Academy. Côté jury, la production a fait appel à Big Flo et Oli pour remplacer Florent Pagny, malade. Zazie et Amel Bent ont fait leur retour dans les fauteuils rouges, tout comme Vianney, présent dans le télécrochet depuis la saison 10. Comme ses camarades, le chanteur a constitué son équipe de talents avant d'assister aux battles qui se sont étalés sur 3 soirées diffusées sur TF1. Ce samedi 6 mai, place aux Cross Battles, nouvelle étape pour les candidats avant la demi-finale et finale de The Voice qui auront lieu respectivement les 27 mai et 3 juin prochains. Vianney absent des réseaux, il en dévoile la raison si ses fans peuvent le voir chaque samedi dans The Voice sur TF1, Vianney a quelque peu déserté son compte Instagram. Si est ce qu'il a confié ce jeudi 4 mai en story, précisant que sa dernière publication remontait à il y a un mois, lorsqu'il a souhaité à sa communauté une joyeuse Pâques. Je suis décidément au top du community management. Désolé. Bon, si est pas bien important a-t-il écrit. Le chanteur a poursuivi en annonçant une bonne nouvelle à ses fans. Faut dire que je préfère vous sortir des chansons que des posts Instagram. Alors, je suis en studio à fond en ce moment, et en attendant de vous partager mes sons, je voulais vous partager mes derniers coups de cœur, a-t-il fait savoir. Une nouvelle chanson dévoilée en mars dernier en duo avec Mika pour l'instant, l'interprète de Beau Papané n'a pas dit plus sur son projet musical. Il a cependant dévoilé en mars dernier la nouvelle chanson qu'il a enregistrée avec Mika et qui s'intitule Keep It Simple. Un duo qui a suscité les compliments des internautes, heureux de les voir performer ensemble. Si beau, si solaire, deux beaux artistes au grand cœur, deux chanteurs que j'affectionne, de toute beauté les deux, trop bien ce duo, peut-on lire dans le fil des commentaires. À noter que Mika s'apprête à faire son retour dans The Voice. En effet, le 20 mai prochain, il endossera le rôle de super coach. Son vote constituera 10% des voix du résultat final de chaque Super Cross Battle, précise le communiqué. À lire aussi pour une fois qu'on est d'accord, Big Flo et Vianney, The Voice, sont enfin d'accord pour sauver le même talent.